Y'a tout le monde, septième épisode de jeu 9, je crois, de Rome de Total War dans lequel on joue Massilia. Alors, c'est la dernière fois, on s'était préparé à la guerre contre, dans un premier temps, les Apuliens et dans un deuxième temps, les Suèves. Donc, première étape, attaquer les Apuliens. Avec l'armée de Toto. Voilà, on demande le soutien de nos alliés. Qui rejoignent, c'est très bien. Voilà, on continue le siège, hein, on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de se presser. Et ici, non. Ah, ça avance petit à petit. Ok, ah oui, on peut améliorer tout ça, c'est bien. Le moral là, on est encore romanisé hein, apparemment, mais ça va très très vite changer. Ampelos. Empereur, ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'on a encore un espion qui est en retard. Qui est très en retard. Et ah, c'est vrai qu'à Kink, ils sont alliés avec Istros, là, les Eravistres. J'ai oublié ça. Appel du devoir. Ah zut. Il y en a un que je peux recruter de chez moi, un candidat de chez moi. Non. Ah, il y a. Ah, il est mort de vieillesse. Pardon, il y a rien. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ce moral est si bas ici? Bâtiment misère. Ok, un. Un. Ah, ouais, c'est les ports qui me mettent mal. Ça aussi. On va partir sur un Odéon dans ce cas. Peut-être un changement avec ça. Comment il me rapporte-t-il rien? Pas tant que ça non plus, hein. Hop, allez, on va changer. On va quand même mettre quelqu'un. Ah zut. Ah, j'avais oublié ça. Hop, voilà. On fait une petite promotion. Et toi, organise des jeux à Illyria. Très bien. Ça a donné. 2, ok, on est bien. On est bien. Un tour avant réédition. Et là, je peux attaquer de suite. Voilà, on déclare la guerre. Ils vont se faire suivre par les Eravis et les Lugiens. Peut-être pas les Eravis, je sais pas. Ouais, voilà. Allez, on fait un siège, je sais même pas si on a vraiment besoin de faire un siège au final. Voilà, parce que. Il n'y a personne, hein. Bon, allez, on va prendre. Bien joué les villes coyotes. Ah, Imperium rang 2. Ça nous baisser les revenus, ça, c'est pas grave. Ah, ici, il n'y a personne, c'est pas grave. Ça posera pas de soucis. Même Freedom. Là on est bien, là on est bien. Faisons un petit tour comme des provinces. Raichen Oricom, bien. Alors qu'est-ce que ça me met? Ouais.
Plus 10 de richesse grâce au bâtiment industriel, ça c'est bon ça. 10%, ouais. Allez. Et réduit le déclin de la population d'esclaves, ça c'est bien aussi. Comme ça les gars, je peux vous dire. Il n'y aura pas beaucoup de déclin de la population d'esclaves. Hein. Pas grand chose. Hein. Allez, on fait une petite augmentation. Ah, oui, c'est vrai. J'ai oublié ce détail qui n'en est pas un. Qui sont en train de se faire manger toute leur vie. Allez, résolution en mode équilibré. 10% de perte. Il perd l'intégralité de son armée, il perd sa vicité. La faction sera détruite. Et moi, je m'en tire bien. Ouais, mais tu vas payer. Tu vas payer très cher. Merde. Oh là là. Le misclic, ça arrive. C'est pas grave. Développement militaire, bien évidemment. On n'a pas fini avec nos technologies. Ok. S'amuser, qu'est-ce que tu as? Ouais, il y a même des bas quartiers, quoi. Oh là là. C'est honteux, les gars. Mais c'est une ville dans un état comme ça, une cité si belle, dans un si piteux état. Je ne comprends pas. J'en suis tout remué. On reprend les villes coyotes pour attaquer le pur d'homme, vu que j'ai pas la portée avec, avec mes dieux de la guerre. D'avoir une idée pour changer le nom de l'armée. Les dieux de la guerre qu'on va renommer les dieux du pieu. Les dieux des pieux. Voilà. Ah, un pieu étant on va dire, quelque chose de pointu, quoi. Et ça va bien avec les hoplites. Bibliothèque. Ah oui, pas mal. Même si ça, au final, ce sera un peu plus tard à Rome, je pense. Quand ils seront assez développés. Ici, ça se passe bien. Et du coup, ils s'entendent pas bien là. Ils étaient copains, mais copains, mais pas taureaux non plus. Hein. C'est qui ça? Lugien. Ah oui. Même s'approcher d'Istros. Fortement s'approcher d'Istros. Voilà. J'ai besoin de la vision. Merci. Ici, rebelle chez Rusk. Ah, ça m'énerve, ça. Ah, s'approcher des Lugiens. Ils m'ont déclaré la guerre, ils ont suivi, bon. Bref. Longue histoire. Ah, faisons de la belle construction. Ah oui, c'est vrai. Ici, un forum public. Toujours dans la même optique, hein, augmenter le moral, parce que là... Ils ont du mal. Les villes coyotes, experts artilleurs. Je sais plus si c'était eux ou pas. Non. Ils sont pas comme ça. Experts en siège. Voilà. Allez, terminons ce tour.
défensive. Non. Je suis pas sûr d'avoir un. Oh si. Ouf. Un remplaçant. Acculturation. Une petite inclusion, c'est pas mal. Ok. Ah, j'ai rencontré. Ouais. Ils sont un peu loin. Ici, les Suèves qui vont essayer de reprendre leur ville. Ça me va. Là, il y a. Ouh, il y a du monde. Eh ben, dis donc, c'est foire à l'avance ici. Eh, pourquoi je suis si lent? Ah ouais, je viens de changer de général. À la poisse. On va faire un fort. Eux, ils vont tomber, mais tout seuls, comme des. Comme je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah oui, ils sont bien potes aussi. C'est cool. Ah, je viens d'augmenter de population de Vlut. Vlut, un mélange entre flûte et zut. Allez, hop, on va en faire 3. Prochain tour, elle sera finie, cette flotte, c'est bien. Un amphithéâtre ou... Bibliothèque, c'est bien pour commencer. Et ici, on fera pareil. Surplus de population, oui, ça c'est fait. Forum public, aqueduc souterrain et... Périphérie. Ça devrait aller, hein, pour l'instant. Si ça va pas, je rechangerai. Ok. Zéro tour avant édition. Il y a des rebelles germaniques, il y a des Scythes et des Suèves. C'est vraiment n'importe quoi ici. J'adore. Allez, tour suivant. Ah, ça c'est ce que j'aime. Vous commencez à me connaître, hein, une défense en fortifiée. J'adore. Alors, bon, il y a un petit souci, voilà, les zones agro lourds. C'est pas le plus efficace dans ce genre de position, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Allez, je mène la bataille avec vous. Vous savez quoi, voilà. Cette fois, je l'amène avec vous. Il faudra juste faire attention. Parce que ce que je là, je suis en train de me dire, c'est que je vais faire sortir la les artilleries. Je les mettrai derrière, parce qu'on sait où arrivent les ennemis. Je vais mettre derrière et je vais juste vérifier, voilà, que les renforts ne viennent pas à part derrière le derrière, j'ai envie de dire. Donc voilà, là je mets mes zones agro lourds ici, faire monter ou pas. Ouais, je peux le laisser au début. Parce que j'ai quand même énormément de portée. Jusqu'où ça va? Ah, je vois pas la fin de la portée, zut. J'ai du mal à voir. Jusque là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bien évidemment, la cavalerie. On la sort également. Le général. Je suis pas trop chaud de le laisser dedans. Trois unités de hoplites, ça devrait faire l'affaire. Voilà, trois de ce côté-là également. Et en cas d'attaque par l'arrière,
On se tient prêt également. Ouais, on va mettre des barricades. Ça peut des fois protéger contre certains projectiles. Donc bon. Et une barricade ici également. Voilà. Oh, le reste, ça me fait à chaque fois des pertes, les fossés de soufre, c'est chiant. Et les chevauteries, y a pas de cavalerie, je crois. Pas très très utile. Voilà, là je suis planqué. Dites-moi juste d'où viennent les renforts. Ils viennent de là-bas. Voilà. Voilà, je vais décaler, je vais tout mettre ça comme ça. Hop, la cavalerie, on la met là. Ah, il a une cavalerie, j'ai l'impression. Une tête de cavalerie, je vais emmener mon général, voilà, une générale très lourde. Contre ça, ça devrait faire l'affaire. Hop, formation diamant. Comme ça sera plus efficace sur la charge. Là, ils vont mettre un temps assez long pour se replacer. Ah, eux, ils sont déjà presque prêts, dis donc. Ouais, eux, là, forcément, ils vont mettre longtemps. Ouais, donc, ils ont une unité de cavalerie. Donc, voilà, les chevauteries n'auraient pas servi à grand-chose. Là, il y a quoi? C'est du frondeur ou c'est du tirailleur? Tirailleurs, ils ont tendance, il me semble, à tirer un peu dans les murs, là. Ça m'irait. Ils sont en cours, hein. Ils sont en cours. Enfin, en train de courir, je veux dire, en course. Est-ce que je perds de la vision là parce qu'il rentre dans le... Non. Par contre, pas ouf, hein, le bonus de charge, hein, à cause de la forêt. Hop, 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 hop. Ah, faut arrêter de tirer là. Allez, on retire ça. Une unité hein, quand même, hein, salaud. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Sérieux? Allez, on sort la cavalerie là. Et on les fait même aller vraiment à 90 degrés. Hop, allez, c'est quand tu veux. Hein. Ils sont pas bien placés là, j'aime pas. Hein. On va les faire avancer, ça va les forcer à à se replacer mieux. À se re-bien placer hein, quand même, j'allais dire. J'ai une unité qui prend cher, c'est eux. Ouais, pas comme d'hab. Voilà. Voilà. Ça devrait éviter les tirs inutiles. Là, ils sont bien. Ok, là, on est bien aussi. Hop. Je donne feu à volonté à toutes mes unités de nagres lourdes. Voilà, le but étant de les faire arriver avec le moins de capacité possible. Toute ma cavalerie. Voilà. On les fera attaquer par l'arrière. Là, eux, bah écoute, hein, ils tirent dans dans les murs, hein, ça me va. C'est l'unité légère, ouais. Ok, on est bien en tir à volonté, là, ça fait le café ou pas, ça a l'air. Pas trop de pertes encore, hein. C'est le début. Une partie là.
Voilà, on se prépare à la charge. Et on charge tout ça. Hein. Ouf. Ça lui a pas fait du bien, lui. Ouais, attaque par l'arrière, là, ils aiment pas ça. Ici, beaucoup, beaucoup de pertes. Ah, on voit toutes les traces des... Ah, génial. Hop! Oui, bah après pour mes ordres, pas trop, hein, apparemment. Hop, voilà, toi tu vas aller là, vite fait. Toi tu décales pareil. Voilà, allez, on force tout ça, là, on force tout ça. Le but est de les faire... de faire un gros, gros, gros coup au moral, un peu comme ça en train de se passer là. Là les pauvres, là, je les ai totalement oubliés là. Heureusement j'ai une petite barricade. Les onagres, je vais devoir les décaler, ça m'énerve. Oh, vous savez quoi? Hop, comme ça. Bon, en plus là niveau moral, bah ils sont pas bien quoi. Allez, on décale tout le monde. Zut, ils sont en train de se reformer là-bas. Voilà, faisons un maximum de pertes. Zut. Alors, un peu de retard sur... cet endroit. Allez, on va essayer de poursuivre vu qu'apparemment ça marche pas bien. Des général ennemi qui tient trop. Voilà, eux là je vais les envoyer derrière. Hop 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 hop, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, ça sert à rien de faire le feu à volonté. Bien poursuivre. Allez, sois pas timide là. Voilà, il charge de nouveau là. Une vraie charge, s'il te plaît. Ok. T'as lui, il veut pas tomber. Hein. Bon, j'ai pas besoin de tout ça non plus. Hop, qu'est-ce qu'ils font derrière? Sérieusement? Ah, c'est le Dawa sur le champ de bataille, mais... Non, c'est bon. Voilà, je vais charger avec mon général parce que là, c'est... N'importe quoi. La débandade chez l'ennemi, à part pour 2-3 unités, c'est un peu compliqué, c'est dommage. C'est compliqué pour pas grand chose en fait, c'est ça qui est embêtant. Ah, par contre là. Voilà. Ah, on accélère, voilà. On continue, on fait un peu de perte, faut pas déconner non plus. Surtout du côté du général. C'est l'armée de garnison. Oui, mais attends, c'était un siège, il me semble. Donc, ah, vous quittez la bataille. Ah non, ce n'est pas un siège, c'est vrai. Voilà. J'aurais subi pas mal de pertes dans une de mes unités de cavalerie, la peau.
celle qui était au corps à corps avec le général. Je suppose qu'il a dû se retourner. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Mais bon, après, ça reste une très bonne bataille. Ils ont vraiment traversé là. Non, alors là, hors de question. Voilà, et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Petite bataille, ma foi, bien sympa. On va essayer pour le prochain épisode de se débarrasser un peu de ces Suèves. Oh, la traversée gratuite. Sérieusement? Merde. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que 36% de perte pour ça. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Bon bah tant qu'à faire, autant finir. Ah, flûte. Un mot de protection, le moins de pertes possible comme d'habitude. Bon bah on aura pris Strauss du coup, hein, de manière totalement volontaire, mais... C'est fait. Voilà. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiom. Ciao!